Qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui, Julia? De la pâte à modeler. Tu joues avec de la pâte à modeler? Oui, et fais maison. Fais maison? Et donc, il y a un petit peu de couleur. Et est-ce que tu penses qu'on pourrait montrer comment on fait cette jolie pâte à modeler? Oui, j'ai fait une glace. Waouh, génial, elle est belle cette glace. C'est une glace à la moustache. À la moustache? C'était quoi le parfum? Pistache? Pistache, et ben elle est à la pistache. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait comme pâte à modeler aujourd'hui? On fait ça. Et on voilà, fait quelle couleur? Bah, je sais pas, comme tu veux, Julia. On choisira tout à l'heure. Violet clair. Allez, on va préparer la recette. Alors, on a besoin du sel. Oui. Ça, c'est quoi? C'est de la farine. De la farine. De l'eau. De l'huile. De l'huile. Des colorants alimentaires. Un verre. Un verre. De la levure. Oui. Et de l'eau chaude. Un premier temps, on verse. La farine. C'est bon? Oui. Voilà. Ensuite, on verse la moitié du verre de sel. Tac. Alors, vas-y, la moitié du verre de sel. Est-ce que tu vas y arriver, ma petite puce? Encore. Stop, je pense que c'est bon. Alors, tu mets le sel dans la casserole. Voilà. Ensuite, tu prends la spatule et tu mélanges, ou la cuillère, comme tu veux. La C'est pas mal. Top. Alors, on verse maintenant un verre d'eau. Tout dedans. Voilà. Ensuite, on remue. Ensuite, on remue. Avec la farine. Vas-y, remue. Hop là. C'est pas grave. Ça va, en plastique. Allez, remue, ma grande. Je remue, là. Ouais, remue. Voilà. On dirait de la mouille. Mmh. Pendant ce temps, moi, je vais te préparer 2 cuillères à soupe d'huile. Je vais la faire toute seule. Tu vas les mettre? Hein? Oui, tu vas mettre 2 cuillères à soupe d'huile, mais je vais te les préparer parce que la grosse bouteille d'huile, ça va être compliqué pour toi. Tu crois pas? On va faire ça. Avec celle-là. Avec de l'huile, oui. Tu mélanges. Allez, mélange. Et eh ben c'est pas grave si on fait des grumeaux, c'est pour ça que tu peux le faire. Mais je vais faire toute seule. Bien sûr. Parce que c'est mon meilleur. Ensuite, tu verses l'équivalent de 2 cuillères à café d'huile que j'ai mis dans ton verre dedans. Tout. Et on mélange. Oui. Pas de slime. Ah non, de la pâte à modeler. Oui. Sinon, ça sert à rien slime. Alors ensuite, on va mettre l'équivalent de 2 cuillères à café de levure. Tu vas me donner ta petite cuillère, Julia. Là, vas-y, je te la vide dedans. Hop, une, vas-y, hop, et deux. Ensuite, tu mélanges. Et tu mélanges. Ah,
va remettre un tout petit peu plus de levure parce qu'il n'y en avait pas tout à fait assez. Voilà, vas-y. Mélange, mélange, mélange. T'en as marre de mélanger? Allez, je mélange à ta place. On va rajouter à notre pâte à modeler qui n'est pas très jolie. On va lui mettre des colorants. Alors, quelle couleur tu veux faire? On a le choix, on a plusieurs couleurs. On peut faire du vert pistache, du vert menthe, du turquoise, du rose, de l'orange, du corail, du violet ou du marron clair. Du corail. Corail? Alors, pour faire du corail, il faut du rouge et du jaune. Alors, du rouge, tu vas mettre 10 gouttes de rouge. 10. Appuie un tout petit peu. 1. 2. 3. Voilà, comme ça. 3. 4. 6. Ah bah vas-y, appuie, hein. Fais voir. Donne. Alors, on était à combien? 6. 7. 6. 7. 8. 9. 10. Ah bah il y en a une de plus, mais c'est pas grave. Maintenant, on prend le jaune. Et on met 10 gouttes de jaune. Je te le fais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant? On remue! Allez, remue, remue! Et ça va donner quoi? Nemo! Du corail! Oui. Tu sais pourquoi j'ai choisi du corail? Vas-y, dis-moi! Les couleurs de Marie et Nemo. Ouais. Ça, c'est la couleur de Marie et Nemo. Mm-hmm. Oui. Oui. Alors, comme c'est du colorant liquide, on a doublé les doses parce que sinon, ça fait trop clair. Et peut-être qu'on va en remettre encore un petit peu après. On va voir. Ça fasse encore plus clair. Voilà. Encore plus foncé. Alors voilà, on a fini de mettre les colorants. Donc on en a mis 40 gouttes en tout. Hein. Oui. Et on a un joli corail. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à la faire cuire un petit peu. Et pour la faire cuire, c'est moi qui vais le faire. Et notre pâte à modeler sera prête. On fait cuire. Ah bah oui, parce que sinon ça va devenir du slime. Oui, enfin, sinon, c'est pas de la vraie pâte à modeler. Oui. Et nous, on veut de la fraîche. Tant qu'à faire. Hop, et on remue tout le temps. Alors là, c'est pas toi qui le fais parce que c'est un petit peu dangereux sur la plaque électrique. Hein. Je te descends après. Mais bon, ça peut pas, hein. Commence à dessécher. Ah oui. Il y a des petits grumeaux, mais c'est pas grave. Hop. Et dès qu'elle se décolle complètement de la casserole, comme là, hein, à peu près, hop, elle est quasiment prête. Voilà, je pense que c'est bon. On peut éteindre. Ouais. Peux sentir? Ah non, parce que c'est chaud. Ça pue. Mais elles sont pas grand-chose en fait. Mais tout à l'heure, on peut la parfumer si tu as envie, Julia. Est-ce que tu aurais envie de la parfumer? Non. Non.
c'est bon. Alors, là, qu'est-ce qu'on a fait? On a bien malaxé la pâte à modeler sortie de la casserole. On l'a laissé un petit peu refroidir. Oui. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, Julie, avec? Oui. Voilà. Je pense que c'est bon. Alors maintenant, il est temps de dire au revoir. C'était la petite imitation de Neo et Swan, c'est ça? Allez, bye bye.